Bonjour internautatrice et internautacteur, bienvenue dans ce deuxième épisode de l'event communautaire de RimWorld où on découvre Anomalie avec ses spécificités. Donc notre colonie se porte pour l'instant pas trop mal. On a eu un petit peu peur à un moment, mais là on commence à avoir du monde à recruter. Et ça c'est plutôt cool. Tiens. Hop, là t'as bien quelque chose à bouffer. Avant que ça ne pourrisse. Voilà, un petit. Oh merde! De nouveau une intox alimentaire. Fais chier. C'est agaçant. Donc là, on a 15 points par rapport aux objectifs de l'event. Donc je rappelle, hein, il faut. Ouais, la cuisinière est pas terrible. Hein. Il faut. Donc pour gagner des points, il faut faire des recherches en lien avec Anomalie. Donc celle-ci. Il faut. Donc typiquement, je suis parti sur un truc qui demande 40 points. C'était une vraie connerie. je veux maximiser. Je dois avoir des events en lien avec Anomalie. Je dois également essayer de capturer des entités. Donc, il faut vraiment que je passe à la vitesse supérieure. Il faut que j'arrive à me faire un site de rituel psychique. Pour ça, il faut que j'arrive à faire des constructions, en fait. Il faut que j'arrive à avancer dans mes constructions. Et c'est pas très très facile. Ouais, en même temps, le frigo, j'en ai pas besoin. Hein. Si tu regardes bien, j'ai rien qui pourrit. La durée de stockage est tellement importante que même si j'ai du riz que je perds, finalement, ça a quand même pas beaucoup d'importance. Non, le problème, c'est qu'en fait, comme elle est malade, elle a une manipulation qui est pas bonne. Du coup, elle fait moins bien la cuisine. Et du coup, elle fait des plats qui sont pas bons. Donc à la limite, il faudrait que je mette Chobiti davantage à la cuisine. Et puis, ouais, tu vas essayer de terminer les constructions là. Mais de toute façon, tu t'es tellement dans le mal que enchaîner deux intox alimentaires, laisse tomber quoi. Elle est où la viande? Tu la chasses quand t'as besoin, quand t'as faim, tu vas manger. Ah, Obiti a récupéré. Tac. Il fait dodo. Non, c'est convertir que je voulais faire. Zut, non, pas le joint de Smotleaf. J'ai suffisamment de modifier. Pas de drogue chez nous. Par contre, il faut que je fasse pour les. Comment s'appelle-t-il? Pour les toxiques. Non, c'est pas toxique, c'est. Pour les. Toxoïdes, pardon. Pour les toxoïdes, il faut que je fasse. Hop. Toxoïdes. Tac. Il faut que je fasse un truc avec du TP Koé tous les 5 jours. Pour éviter qu'ils se chopent leur problème de dépendance, mais il faudrait que. Oui, là, je recherche pas beaucoup, comme ils ont passé leur temps à être HS. Du coup, c'est plus compliqué. Ah! Un inconnu à la peau parcheminée, un inconnu à haillons, à la peau tannée, s'approche de votre colonie, veut discuter, vous pouvez envoyer un colon lui parler. Donc ça, c'est un event anomalie.
plus un point. Qu'est-ce qu'il va me proposer? Ah d'accord, ça c'est les stats de ouf. Ouais, il est suspect, mais en fait j'ai jamais vu ce qui se passait, parce que sur la partie que j'ai faite, je l'ai emprisonné pour l'étudier. Donc là, je vais l'accepter. Il est suspect. Quand on voit ses stats, fuite d'identité, merde. Qu'est-ce qui s'échappe? C'est machin là. Hop. Bim. Oh, il l'a tué. T'as fait tout ça en juste 3 heures. Bah, c'est pas tant que ça. Pêche, je l'ai tué. Pff. Bon. Bon, bon, bon. Bah, ça fait. C'est pas beaucoup tout ça. Franchement. 2h30, 30 minutes de préparation. Ouais, y a eu un peu de temps de préparation de la partie. Bon. Greuze crognonieux. Donc, Chobiti, tu vas aller parler à cette étrange inconnue. Alors, le regard perdu dans le vide, l'inconnu parle d'une voix monocorde, comme s'il ne voyait rien ni personne. Il refuse de partir, insistant sur le fait que seule votre colonie d'intérêt, il dit, pouvoir vous aider. Les compétences de Hurlefort s'étendent à tous les domaines. Il maîtrise tellement tous les sujets que cela tient presque du surnaturel, sans même parler de sa conscience professionnelle tout bonnement remarquable. En résumé, Hurlefort est un travailleur idéal. Il pourrait se révéler utile, mais vous avez l'impression qu'il cache quelque chose. Bah oui, forcément. Donc je vais l'accueillir. Je vais l'accueillir parmi les miens. Non, je crois pas que celui-ci ce soit étude médicale. Je pense pas que je puisse, hein, de toute façon. Alors, il y a juste. Il a une idéologie à la noix, hypersensibilité psychique, mémoire parfaite, travail en nez. Il a des stats qui sont vraiment complètement délirantes, quoi. Donc il va faire bah, de l'agriculture et de l'artisanat. Ce sera très bien. Hop. Mais c'est évident que y a un petit souci quelque part. Manutention achevée. Alors t'as pas d'armes pour l'instant. Ouais, le truc c'est qu'il est tellement bon partout que forestier, forgeron, comme ça il va pouvoir me faire des cailloux. Ça va être en 3. Ce sera pas ma priorité très clairement. Art, je m'en fous un peu. Mineur, j'en ai pas vraiment besoin. Constructeur, pourquoi pas. Il fera pas de cuisine. Pourquoi? Ah oui, non. Hop là. Et assignation planning. Hop, tu vas faire le même que tout le monde. On va voir ce qui va se passer. Opportunité de festival rituel. Oui, bah je sais, mais il suffit que je construise. Y a qu'à. Alors, ceci dit, je pourrais aussi lui faire faire la cuisine. Oui, enfin, le truc, c'est qu'il peut tout faire. Donc. Ouais, il va me faire de la cuisine, comme ça me permet de libérer. Chobiti, et puis toi tu vas le mettre en 3 pour l'instant. Hop, allez, va bosser un peu. Va me faire des plats. Donc le voyage vers les étoiles, ce sera pas pour tout de suite. Augmenter le stock de plats, yes, why not? 6, 2, 4, 5. Non, j'en ai 6 qui mangent, donc j'en fais 6. Ouais, même là, les faire par 4, du coup. Place 1 par 4, tac. Jusqu'à en avoir, hop.
Putain, il fait ça à une vitesse. Salut Yuki, non, c'est bon, merci. Pas de questions particulières. Tout va bien. Ça avance doucement. Hop. Ouais, bah non, mais en même temps, c'est cube, hein. Cube, en 41. Ouais, mais voilà, enfin, c'est les deux gros streamers sur RimWorld. Moi, je suis complètement à la ramasse. Ah, progression de l'étude du monolithe. La progression de l'étude du monolithe. Donc, je peux me faire un point de plus. La structure relie l'espace normal, le néant, une dimension cachée dans la sous-structure de l'espace-temps. Il semblerait qu'un esprit puissant résidant dans le néant exerce une certaine influence sur notre réalité. Dez veut étudier le monolithe davantage pour en savoir plus. Voilà, il fournit plus de connaissances. Ouais, ça, je suis assez d'accord. Ça traîne un peu. Bah en fait, l'un des soucis, c'est qu'en fait, je construis pas assez. J'arrive pas à augmenter la taille de ma base. Donc, c'est vrai que c'est un peu pénible. Peut-être effectivement que j'aurais pas dû prendre Randy. Non, et puis en vrai, j'ai fait une vraie connerie d'aller chercher une anomalie qui s'étudie en 40. En soi, c'est une vraie connerie. J'ai besoin de plus de bois, par exemple. Tiens, Hurlefort, ce que tu vas faire, c'est que tu vas pas faire de plantation. Tu vas faire. C'est où? Tu vas pas faire fermier, tu vas faire par contre forestier. Le ratio est bon qu'Elden en vrai, mach. Ah! Oui, je sais pas pourquoi tu dis ça, Darine, mais. Mais sans doute. Allez, va me couper du bois. Pousse d'ambroisie. Pas grand chose à faire. Confinement insuffisant, c'est pas cool. Mais comme pour toutes ces choses, en fait, je suis un joueur lent. Et donc, bah, les choses avancent lentement. Tiens, je peux faire l'avènement hors la loi. Rituel à date spécifique, vous pourrez le débuter dans 7 virgule 7 jours. Et celui-ci. Ah, il me faut des haut-parleurs aussi. Et ben, on va me faire des haut-parleurs. Je vais en faire deux. Non, c'est les points de vie. Non, non, en fait, c'est le. C'est pas du tout ça. En fait, il y a un event. On participe à un event qui fait que on marque des points en fonction de. Voilà, très bien. En fonction d'événements particuliers. Ah, je vais pouvoir le recruter? Non, pas encore. Attends. Ah, c'est lui qui s'est converti. Prisonnier recruté. Bien. Ah oui, sauf que là, il reste un trou. Je ne sais pas pourquoi, mais. Bon, voilà, je vais pouvoir développer un peu ma base. Ça, c'est cool. J'en avais un peu besoin. Hop. Allez, on va pouvoir faire la teuf. Peut-être recruter encore quelqu'un. Tac. Allez, 86%. C'est parti. C'est la fiesta. Il y a un petit clip là-dessus, là. Sais même pas comment. J'ai pas la moindre idée de comment on fait un clip. Et j'ai un Frédéric qui veut me rejoindre. Ouh, plus 16 d'humeur. Inoubliable. C'est cool, ça.
Alors, vas-y Frédéric, qu'est-ce que tu vas me proposer? Action violente, super. Ascétique, ça c'est cool. Un bon cuisinier, agriculteur. Et ben, ok. Et il va me falloir un lit de plus du coup. T'es pas bon en soins par contre. Transport plus, donc tu fais de la cuisine. Il ferait presque un bon zombie. Minage, tac, tac. Fermier, je le laisse en. Il va aider à la récolte principale. Ce sera Chobit qui plantera. Mais. Achevé, il fait pas. Yeah, merci le signe. Ouais, il va falloir effectivement convertir Hurlefort. Alors dans ce cas-là, il faut que je le. Le truc, c'est qu'il va falloir. Non, sinon je pourrais faire un rituel de conversion. Rituel de conversion dans un jour. Je vais faire un rituel de conversion. On va essayer de faire en sorte que ça se passe bien. Donc Frédéric, c'est un. Oui, lui, c'est un non-violent. Donc. Ah oui, juste, il me faut un lit de plus. Il me faut une cuisine, il me faut. Ah, j'ai des blocs de grès, du coup. Alors, structure. Bloc mur en grès. Hop. Hop, 13. Et je me suis planté là. Ah merde, ça fait 10. Je me suis planté. Tac. Donc du coup, ça fait là. Hop. Tac. Tac. 1, 2, 3, 4, 5. D'accord, oui, je me suis planté. Pour des chauds, non, et vers la sombre lumière, ouais. Hop, des portes, tac. Vers le haut, j'en ai pas besoin pour l'instant. De la lumière. Hop. Tac. Et je vais peut-être. Alors, il faut que je nettoie tout ça. Couper du bois, tac. Va me couper tout ça, ça tu le supprimes. Sur les lampes, tu pourras. Alors, lumière sombre, non, ça le fera pas en fait, parce que c'est spécifique à un type d'idéologie. Et ça fera pas assez de lumière. Si je dis pas de conneries, il me semble. Hein. Attends, je vais vérifier quand même. Ça, il me semble bien. Je sais pas. Normalement, j'ai pas besoin de le faire. Non, je peux pas faire de. Ah, si, passer en lumière sombre, pardon. J'avais pas vu ça. Ah. Ouais, je sais pas si je suis fan, mais. Bon, donc là, on va pouvoir faire éruption solaire. Bon, tant pis. On va pouvoir faire notre lieu de rituel. Et je vais pouvoir installer. Ça là. Du coup, ça fera un niveau de confinement plus élevé. Voilà, il faut pas qu'il y ait de trucs construits dans la zone qu'il y a là. Pourquoi est-ce qu'il m'a fait un toit ici, lui? Mais qu'est-ce qu'il fout? Ah, ça, il considère que c'est une pièce, du coup. Non.
Non, non. Que nenni. Capsule de cargo. Zut. Elle est tombée où la capsule de cargo? Message. Ah! De la viande de gazelle. Qui est-ce qui va être content? C'est Canton. D'ailleurs, il se précipite dessus. Ouais, toi avec Geyser, ça va chauffer, c'est clair. Ah, un transpondeur. Il est où? Ouais, mais je vais pas faire. Repas. Ok, allez, on va pouvoir commencer à faire une provocation du néant. Qui est-ce qui va nous faire l'invocation? Ce sera. Tiens, est-ce qu'il peut. Hop. Notre nom. Il a quoi? Sensibilité psychique 180%. Waouh. Ah ouais, ça améliore. D'accord, sinon ça doit être dead. Attends, je vais finir l'éruption. Très bien. Tempête d'éclair. Ça, j'y peux pas grand-chose. Hop. Allez, on est parti. Provocation du néant. Donc, on a dit, c'est Hurleur qui nous fait. Hurleur. Non, faut pas faire échappe, couillon. Ok, allez. Provoquons le néant. Je terminais. Et j'ai toujours pas fait de lit. Putain. Trop de choses à faire dans ce jeu. Tac. Tac, je vais y arriver. Tac. Hop, hop. Hop, hop. Alors, Hurlefort, du coup, est HS. Provocation du néant terminée. Donc ça va, je vais avoir des entités en plus à combattre. Hop, plus un point. Et donc lui, il est HS pendant 20 secondes, voilà, pendant pas longtemps. Et attaque d'abomination de chair. Alors, que se passe-t-il? Plus un point. D'accord, donc j'ai un trou qui vient de se creuser. Et il va falloir que. Ouais, il y a un peu de feu, mais la pluie. Ah, il a un fusil, lui. Je l'avais même pas vu. For your fire. Donc, il y a une abomination de chair. Et bah, normalement, elle va venir se capturer toute seule, non? Elle est où? Elle est là. Hop. Non, ça peut pas vraiment se bouffer. Donc il va falloir que j'aille la chercher pour la capturer. Bon, ils veulent pas venir. On va envoyer Canton. Ah mais il est là, Canton. Qu'est-ce qu'il fout? Ça peut pas se capturer. Ces bestioles-là, ça explose quand ça meurt. Hop, voilà. Et elle est où l'autre? Elle est là. Hop. Canton à l'attaque. Énergie qu'on lui cachait. Tac. Tac. Voilà. Ah, si. Yes. Un que je peux capturer.
Tac, viens ici. Le cygne va tout de suite me capturer cette bestiole-là. Très bien. Merci, caneton. Il me semblait qu'elle explosait, mais. Mais non. Ah, il y a un truc qu'il faut que je fasse aussi, c'est de la récolte de bioférite. Alors, je vais pouvoir le faire. Il faut que je fasse une autre. Tu mangerais bien du singe. T'es comme ça, toi. Hop, voilà, soignons cette bestiole-là. Capacité de confinement 61. Alors la capacité de confinement, elle dépend de la solidité des portes. Elle dépend de la solidité des murs. Donc là, par exemple, je vais faire que des murs en grès, ce sera un petit peu plus solide, donc ça permettra d'augmenter le niveau de confinement. Elle dépend également. Bah, c'est tout. Comment est-ce qu'on voit ça? Capacité de confinement. Ah oui, l'éclairage moyen. Et sachant que là, l'éclairage est pas ouf. Je suis à quoi? Je suis en sombre. Ah oui, non, c'est. D'accord, c'est le... la teinte de la cou... de la lampe n'a pas d'importance. Bon, il pourrait pas pleuvoir là? Normalement, il pleut à un moment. Pour éteindre le feu. Voilà. Alors, toi, tu vas être transféré ici. Voilà. Capacité de confinement 51. Éclairage moyen, ça n'est pas encore augmenté. Plusieurs plateformes de détention. Et le fait d'avoir plusieurs plateformes, forcément, a un impact. Alors, anomalie, je pourrais faire un inhibiteur électrique qui fait quoi? Ah non, un inhibiteur de fragments qui va. Alors, il faut que je fasse gaffe parce que. Pas que je le mette trop près du. De ma plateforme de rituel. Tac. Le mettre là et du coup lui je vais le transférer là. Ça permettra d'augmenter aussi le voilà. Hop, là logiquement ça a augmenté la capacité de confinement. Ouais. Tac, voilà, ça je vais le déplacer là. Et je vais faire aussi anomalie récolteur de bioférite. Et ça, c'est top, ça permet de récupérer de la bioférite, donc qui est un élément de construction sur plein de choses différentes, qui permet de faire un certain nombre de choses en lien avec ce jux. Pourquoi est-ce que Hurlefort, tu ne me fabriques rien? J'aimerais bien savoir. Tu vas. Voilà, merci. Ensuite, tu vas me faire ça. Toi, tu peux aller prendre un lit. Non, non, je l'ai le bois. C'est pour ça que je comprends pas bien. Hop. En bois, il m'en reste. Alors, il m'en reste plus, peut-être plus des masses, mais. Mais ça, c'est quelque chose qui s'arrange. Tout va bien, ouais, merci Yuki. Et du coup, toi, tu streames pas, Yuki? Je pensais que tu le faisais aussi. Alors, provocation numéro 1, je peux pas le faire autant que je voudrais. Chacun des rituels, en fait, a un cooldown. Ah, d'accord, je croyais. Voilà, donc le récolteur de bioférite, hein, il va ponctionner sur mes bestiaux 2 vins par jour, c'est pas énorme. Et voilà, il va faire en sorte de
que j'obtienne plus de biofluorite. Donc j'en avais au départ. Elle est là, j'en ai 100. Je ne peux pas en faire grand-chose pour l'instant tant que j'ai pas débloqué les recherches qui vont bien. Heureux, éternel. Hop, on avait dit lumière sombre. Ouais, là, je leur ai même pas mis de lumière. J'avoue, je suis. Mes prisonniers, je suis pas très cool avec eux. Tu trouves que Hurlefort ressemble à Éternel? Ouais. Je sais pas. Ah oui, je voulais utiliser. Hop, essayons de convertir Hurlefort. Attends, je vais attendre d'en avoir plus. Homme bestia. Allez, non. Il ressemble, non, il a la peau plus claire, éternelle, en vrai. Allez, essayons de le convertir de force. Bim. Ouf, inefficace. Bon. C'est ce qu'on appelle un échec. Il ressemble à rien, éternel. Rejoins la grande démone. Production. Je pourrais peut-être me faire aussi un truc de tissage, un truc de forgeron. En recherche, ça avance de plus du tout. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je sais pas ce que nous fait le signe là, mais encore en train de glander, je suis sûr. Encore en train de jouer à des jeux vidéo. Eh ben parce que j'ai pas mis le mode qui gère les toilettes et les douches. Il y a un mode, ça peut se faire, mais. Mais là, je l'ai pas mis. Parce qu'il y a déjà suffisamment de. Non, pas de bébé, non. Non, et puis Chobiti et le cygne, manifestement, ils ont pas très envie. 5,9% de chance. Pourtant, ils s'entendent bien, mais c'est un peu mieux. En fait, le problème, c'est qu'ils ont, ils ont déjà des. Ils sont déjà mariés, donc. Bah, écoute, ton perso. J'en ai pas. Je suis désolé, c'est pas que je veuille pas, hein, mais. Bon, là, ça y est, ça recherche. Alors. Beaucoup de plaisir, Aliwin. Tiens, j'en ai deux qui font rien. Alors, quelque part, c'est bien quand les gens font rien, parce que ça veut dire que j'ai le temps de faire autre chose. Ils pourraient faire. Quand les gens font rien, ils pourraient faire des cailloux. Hop. Hop, là, on va copier. On va faire dans l'autre sens. Tac. Non, raté. Tac. Non, c'est celui-là. Tac. Ouais, du calcaire, du grès, du grès, du calcaire. Tac. Voilà. Ici, je pourrais peut-être me faire des casques. Ça se fait en général. Hein. Répéter jusqu'à en avoir bah, un. Et un qui fait tac tac tac, qui est de qualité bonne. T'as toujours faim, oui, je sais que t'as toujours faim. C'est un peu agaçant ce garçon. C'est quoi? Chobiti la 10. Hop, et ben, ça sera minimum toi. Du coup, je vais aller chercher du bon même.
Hop. Je pourrais faire un arc court pour le cygne. Je vais m'en faire un. Ghoul affamé. Ghoul affamé doit manger. Alors je pourrais aller explorer là en dessous pour vous montrer un peu ce que l'on trouve dans ce drôle de trou. Va m'attaquer l'alpaga et va le manger. Bon appétit. Scrunch. Ça va mieux? Non, c'est pas Frédéric, c'était Hurlefou. Désolé, Chobiti, pour la mort de l'alpaga, mais c'était un mal nécessaire. Il faut des chemises, des pantalons, des manteaux. C'était l'alpaga ou deux singes. C'est un peu ça. Hop. Minimum 10. Toc, toc, toc. Tac. Hop. Me semblait que je pouvais copier les paramètres, mais non. Ça doit être un autre mode que j'avais à une époque. C'est tellement pratique de pas avoir à configurer ça par défaut. Tac. Enfin, ce serait tellement pratique de pouvoir configurer ça par défaut, devrais-je dire. Tac. Hop. Et voilà. Bon. En énergie, ça va. Tiens, là j'ai une lampe qui n'est pas alimentée. Pas assez de métal. Aïe, ça craint. Il va falloir que je commence à miner. Le métal, c'est la vis. Bon, je vais pouvoir me faire une. Je pourrais me faire mon lieu de rituel. Ce que je vais faire. Anomalie. Non. Structure. Défense. Défense. Sécurité. Non. Structure. Porte de sécurité. Voilà. Alors, ça consomme du plastacier et des composants. Mais c'est très efficace pour confiner. Et là, à la limite, en fait, je vais supprimer ces portes-là. Mine d'alpaga, oui, ça pourrait être une solution. Alors le déserteur, je ne vais pas la faire. Qu'est-ce qu'il fout le signe? Il pionce. Pourrait pas me faire la recherche là? Ah non, merde, non, tu vas pas miner en priorité. Le signe, tu vas. Toi, il y en a à aller chercher. Ouais, le problème, c'est qu'il médite. Il n'a pas besoin de méditer. Il est déjà à ce qu'il faut là. Non, il faut pas que je mette en transport aussi. Il veut dire cherche.
Alors là, ça arrive à combien en confinement, du coup? Oh putain, 156. Ah ouais, c'est pas la même. La vache. Oui, d'accord, là, tu fais du nettoyage. Bon, ok. Toi, c'est ni nettoyage, toi, c'est recherche. Recherche. J'ai besoin de TP Koé. Parce que quand je vais recruter machin, là, si je peux pas lui donner sa dope, il va pas être content. Mobilier, j'aurais quand même pu lui refaire une table aussi. Ça se fait. Raid. Ah, un petit raid. Ils attaquent immédiatement. Soit. Alors, combien sont-ils? Ils sont 5. Ce sont des itakines, donc c'est résistant au combat. Mais tellement. Hop. Ça va être l'heure du goûter. J'ai toujours pas d'armes pour. Si. J'ai un couteau en acier. Ah non, mais Frédéric, il combat pas, lui. C'est l'heure du goûter. Toi, t'es une brute en tout. À la limite, tiens, tu vas laisser ta carabine. Hop. Va lâcher ta carabine, s'il te plaît. Le cygne, tu vas lâcher ta grosse massue. Tu vas prendre la carabine. Non, tu vas même aller chercher. Il y a un couteau. J'ai vu. Ah oui, mais c'est un couteau médiocre. Mais c'est toujours mieux qu'une. Pourquoi est-ce que. Ça, c'est bizarre quand même. Un couteau médiocre en acier avec 31%, un DPS de 5,85, alors qu'un couteau en acier de qualité normale avec 95% fait 4,88. Je ne me l'explique pas. Est-ce que c'est un bug? C'est vrai, ton bloc de calcaire, one shot. Bon. Donc, Hurlefort, tu vas aller porter ce couteau médiocre. Hop. Hop. Tac. Tac. Et bon, quand tu auras fini ton repas, t'as le temps de. Alors, les itakines, est-ce qu'ils vont. Ouh, hop, bim, voilà. Et je vais sans doute pas arriver à en choper d'autres. Ah, si, je peux en ralentir un. Est-ce qu'il y en a un qui m'intéresse? Bio. Trop bon intellectuel, trop artistique, mais très bon tireur. Toi, par contre, cancre traînard. Ça fait quoi, cancre? C'est facteur d'apprentissage global. Son 11 en intellect, je m'en serais bien servi. Ah, mais de toute façon, lui, je peux pas le recruter. Loyauté inébranlable. Alors, les loyautés inébranlables, ça peut servir pour. Pas grand-chose, là, en vrai. alors, donc, le signe, tu vas, s'il te plaît, coller un fardeau sur ce monsieur. Chobiti, tu vas te rapprocher. Toi, tu vas essayer de l'attaquer. Caneton également. Hop, un autre fardeau quand même sur le copain. Je sais pas combien de temps ça dure. Suffisamment pour que je puisse les rattraper.
Voilà, stun, très bien. Hop, arrête de bouger. Bim. Voilà, ça c'est fait. Tu survis ou tu survis 5 heures ici. Toi, qu'est-ce que tu vaux? 4 heures, Hurlefort, bah, tant pis. Et toi, 4 heures. Alors, qu'est-ce que vous valez? Toi, tu es un très bon en mêlée. Hyper sanglier, cogneur cupide. Ouais. Jaloux. Ah, un bon en soc. Résistance. Lui m'intéresse aussi. Bon, je vais avoir plein de prisonniers là. Architecture. Il y en a deux normalement qui devraient bientôt se libérer. Tac, tac. Je vais dormir sur des cailloux, hein, je vous le dis tout de suite. Capturer. Frédéric, tu vas me capturer celui-ci. Sais pas combien de temps ça dure, le fardeau. De toute façon, je l'ai rattrapé. Lésion chimique sévère. Au rein. Wow. Addiction opioïde. Lui, clairement, il va me servir de. Hop, voilà. Ah merde, Dez a pris un coup. Ah, par contre, les 14 flics, ça c'est cool. Oui, coucou. Salut Edroda. Merci beaucoup pour le raid. Bonjour à tous et bienvenue sur RimWorld. Bienvenue chez nous. Chobiti, tu vas me capturer s'il te plaît. Alors il m'en faut encore un. Tac, tac, tac. Tu vas me capturer celui-là. Eh ben, ça se passe comment? Ça se passe bien, ma foi. Ah, il y a Canton qui mange. Bon appétit. Ah non, il mange pas. Singe enragé. Merde. ouais, quand j'aurais fait un frigo. Il est où, mon singe? Il est là. Canton! Et Chobiti n'a pas le droit d'hurler parce que... C'est le singe qui a attaqué en premier. Hop. Tout ça on autorise. Est-ce que ça soigne? Oui. Est-ce que... Non, là lui il n'est pas en train d'être soigné. C'est une très mauvaise idée. Dez est ici. Chobiti, plutôt que de rêvasser, tu pourrais s'il te plaît... Ah, c'est Dez qui va s'en occuper. Il y a quoi? 2 heures? Est-ce qu'elle y sera? Tu te déplaces vite. Ouais, ça va. Ça devrait le faire. Bien, bah ça c'est un petit raid plutôt sympathique finalement. Tiens, tu peux manger. Ok. Bon. Ouh, lui, c'est pas sûr qu'il s'en sorte. Hein. 0,6 heures. Waouh. Ouais, ça va être chaud. Tu valais quoi, toi? Ouais, c'est pas très grave. Bon. Hop, à poil. Ah bah, il est déjà à poil? Ah bah oui. Il pourrait être sacrifié. Tac. Une exécution publique. Ah non. Pour faire une exécution publique, il faudrait que j'arrive à le sauver. Est-ce que je vais y arriver? Non. Non. Je vais pas y arriver. Tapis.
C'est un repas. Alors, prisonnier. Convertir. Hop. Donc, toi, tu vaux. Ah, t'as un pied en bois, toi. Toi, t'es un bon tireur. Ouais. Si, si, je suis. Si, si. Si, je suis assez familier, mais ensuite je suis pas non plus, je suis pas forcément hyper performant. Non, non, j'ai une bonne habitude du jeu. Non, alors c'est découverte du DLC. En fait, il y a un DLC qui vient de sortir, donc c'est de ça, n'en suis pas familier. Voilà, donc ce DLC, il a quand même il a plein de nouvelles choses, et le DLC mais tu découvres le DLC, pas le jeu. Voilà, c'est ça, exactement. Tiens, toi, je vais t'administrer un peu de flake puisque j'en ai. Il est où? Il est où? Hop, un petit coup de flake, ça te fera du bien. Donc ça, c'est les psychos, les pestilents, les pestilents, qui ont une dépendance intrinsèque aux psychoïdes, enfin voilà, aux psychoïdes. Et donc, si on leur donne pas régulièrement, bah, ils pètent un câble. Enfin non, ils meurent en fait, tout simplement. Infection. Bon, avec ce que j'ai comme soigneur, ça devrait le faire. Pourquoi c'est Chobiti qui se charge de soigner? Ce qu'elle fait. Non, c'est pas Chobiti qui soigne, j'insiste. Il serait bon que ce soit plutôt toi, par exemple. Ou toi, t'es où, toi? Hop. Tiens, est-ce que vous pourriez me débarrasser de ça? Est-ce que je le mets pour la réserve personnelle de... Ouais, c'est le compteur. Bah, c'est en fait en fonction des events en lien avec le... En fait, c'est un event communautaire. Tiens, hop. Un petit... Tuc, tuc, tuc. Voilà. T'as un certain nombre d'explications. Donc c'est un event communautaire avant tout. L'idée, c'est de découvrir tranquillement. Et de toute façon, c'est pas moi à la fin qui vais gagner. Bon, désolé les arbrisseaux, mais c'est vrai que... Ouais, Canton, ceci dit, il a de quoi bouffer. Franchement, il manque pas. Infection encore. Hop, Chobiti, je vais passer en 3 là. Et aussi. Ouais, voilà, on s'en fout qui gagne. C'est exactement ça. Non, je vais pas extraire le crâne. Parce que. Non, pas Chobiti, putain. Non, pas porté. Je vais y arriver, soigner. T'auras de quoi manger, Caneton, t'inquiète pas. Hop, là, il faut peut-être que j'en fasse encore plus de la bouffe. Alors, j'ai récupéré ma capacité de recrutement. Hop, on va rester. Ah non, 17 jours pour le prochain rituel de conversion. Hurlefort, je suis pas prêt de pouvoir en faire quoi que ce soit. Ah, étude du monolithe terminée. Plus un point. Le cygne a fini d'étudier le monolithe. Il s'avère que la structure est un conduit relié au néant pour une réalité cachée sous l'espace-temps. Ça veut rien dire. Habité par une machine intelligente d'une complexité terrifiante, animée d'une rage cauchemardesque et inhumaine, son influence seule génère des horreurs dans notre monde. Pour ouvrir complètement le conduit, il faut éveiller le monolithe. Le cygne pense qu'une fois le canal ouvert, on pourra se servir
de la connexion pour fermer définitivement le conduit ou trouver un moyen d'exploiter sa puissance occulte. Le monolithe fournit désormais plus de connaissances lorsqu'il est étudié. Très bien. J'avais dit que je voulais faire une petite descente dans les bas-fonds pour vous montrer un peu ce qui se passe. Je vais attendre que Death soit remise, mais ça devrait bientôt être fait. Ah, enlèvement par téléportation, une recharge de plus, un point de plus. Accomplissez un rituel psychique qui téléporte une personne hostile, aléatoire, n'importe où dans le monde et la plonge dans un coma de courte durée permanente, hein, sa capture. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va rechercher? Le façonnage de la bioferrite, ce qui va pouvoir nous permettre de faire des armes. Ça va être cool, ça. Non, non. Donc là, si j'enlève, ça me demande 60 de bioferrite. J'en ai 100, donc je vais pouvoir le faire au moins une fois. Hop. Donc ça va de nouveau être Hurlefort qui va nous faire le rituel. Non, mais alors oui, mais il y a déjà tellement d'animaux sur la map qu'en fait, j'ai pas vraiment besoin d'en invoquer. Bim. Alors, qu'est-ce que j'ai chopé? J'ai chopé. Ah, il est HS pendant 11 jours. Waouh. Ok. Gâchette facile, bon, il est pas mal. En vrai. En vrai, il est pas mal du tout. Un conseiller municipal. En effet. Capture-moi ce bon monsieur, s'il te plaît. Toute la vie. Et on va bah, chercher à le convertir d'abord. Toi, tu vas me prioriser ça. Construire une table, hein, c'est plus long que de. C'est plus rapide que de construire une chaise. Je sais pas si c'est logique. Ah, un bon couteau en métal. Ça y est, Dez est bien soigné. Alors, qu'est-ce que j'ai comme. Voilà, celui-ci est meilleur. Mais alors, pourquoi est-ce que le médiocre à 5,85, ça, je ne me l'expliquerai sans doute jamais. Toi, je vais te mettre plutôt première ligne. Alors, ils ont tous un joli casque, c'est cool. Hop, va équiper un bon couteau de métal. Dez, quand tu seras réveillé, tiens, équiper ça. Peut-être qu'on a frappé. C'est possible. Frédéric, t'as combien en sociabilité? Très très peu. Hop, ça fait plus un point pour l'enlèvement de téléportation. Elle est vraiment. J'ai jamais fait une prison aussi mauvaise que ça. Je suis presque un peu choqué de mon incapacité à faire une prison correcte. Je pourrais au moins mettre ma décharge ici. Non, pas masqué. Non, c'est pas ça qu'il fallait que je fasse, couillon. Tout effacé en normal. Je veux dedans, s'il te plaît. Ressources brutes, sauf l'argent, l'or, les matières végétales. Je veux pas de cadavres, si les mécas éventuellement. Et les entités, pourquoi pas, même si je suis pas bien sûr que ça serve à quelque chose. Je veux que tu mettes les constructions. Et les morceaux, les plantes.
Le cadavre d'occulteur, non. Fait, le cygne passe son temps à méditer, c'est chou. Bon, c'est bien, fardeau pour capturer des gars, c'est bien comme. Et voilà. Allez, un de plus. Hop. Alors, toi, t'es un très bon tireur. C'est dommage que j'ai pas d'armes à te faire utiliser. Ah tiens, il y a dans les trucs que j'ai pas fait, dans les assignations. Habituellement, je fais ça tout le temps au début. Hop, je fais ça pour éviter qu'ils portent des équipements qui sont pourris. Pas d'équipements contaminés. Voilà. C'est vrai que c'est un peu l'inconvénient des nobliaux. Meute de chasseurs d'hommes. Donc ça, c'est pas un event anomalie. Qu'est-ce qu'ils m'envoient? Hop, des serpents. Triste sire. Tiens, Canton. Pourquoi est-ce qu'il est réservé par Dez? Bah non. Non. Canton, va manger. Bon, les serpents, ils traînent ici. Tiens, il faut que je me fasse une zone. Zone. Maison. La zone maison. C'est tout ça. C'est tout ça. C'est jusque là. Voilà. Donc là, typiquement, hop, assignation. Non, ici, je vais y arriver. Planning. Tiens, d'ailleurs, tac, tac, tac. Restez dans la maison, s'il vous plaît. Ah zut. Crise de boulimie. Ah non, t'as fini de manger. Bah c'est nul ça. T'es sensible au soleil, j'en suis désolé, mais. En vrai, ça va, hein, j'ai de la bouffe, mais. J'ai toujours pas d'arme à distance correcte si j'ai un arc court. Médiocre. Ouhou. Je me suis pas du tout occupé de son travail, à monsieur. Hop, médecin. Deux niveaux 1. Dez, tu peux passer en deux ici. Tac. Agrandir la salle d'idéologie d'unité vers le sud. Oui, il faut que je fasse ça. Ça fait partie, c'est vrai que c'est assez moche comme ça. Ne fera pas. Donc animaux, non. Cuisinier, certainement pas. Chasseur, absolument. Constructeur, pourquoi pas. Avec ta double, c'est pas mal. Mineur, pourquoi pas. Tu vas me faire ça. Et recherche, bon, tu peux aider si vraiment t'as rien d'autre à foutre. Je vais te faire ça. Hop. Ouais, aussi, ouais, j'ai pas tant de caillasse que ça. J'ai plus de bois. J'ai l'impression que j'ai plus de bois. Ils sont où les serpents? Ils veulent pas sortir. Enfin, ils veulent pas venir. Il y a une entrée là, les gars. Vous pouvez venir par là. Le
réussi, mais t'es quand même pas très très bon au tir, je suis de te le dire. Pour l'instant, tu vas faire en sorte, minimum 10. Hein. On peut avoir, non, pas, il n'y a pas de cygne, mais il y a des canards. Donc j'ai, les canards sont d'ailleurs des animaux sacrés pour. Ah, chouette, Lewin va nous rejoindre également. Donc, sauf que. Ah! Décédé d'une infection, merde! Bon. Ok. C'est con. Bah, ce sera, ça fera un cadavre de plus pour Canton. Bon appétit. Bon, les serpents là, je suis vraiment obligé de venir vous chercher. Vous avez pas vu que l'ouverture, elle se faisait là-haut? Alors, événement, célébration spéciale. Tac. Tiens, ça d'ailleurs, je sais pas pourquoi je l'ai pas déplacé. Transfert ici. Alors, événement. Touk, touk, touk. Ah non, c'est bientôt. Nouvelle recrue, Lewin. Alors, toc toc, j'avais dit que je devais descendre, mais je l'ai toujours pas fait. Toc, hop, achevé, geôlier. Un petit 2, chasseur, pourquoi pas, t'es quoi comme, t'as quoi, quel genre de stat toi? T'es plutôt tireur. Toi, t'es un excellent tireur, t'es même meilleur que Chobiti. Ouais. J'y penserai. Hop. Je manque cruellement d'armes. En fait. Donc, tu es un très bon tireur. Donc, du coup, bah, tu seras un chasseur. Chasseur, ça, ben non, tu chasses pas. Ah non, il a changé de place, il est ici. Chasseur, 2. Hop. T'as combien en recherche? T'as 4. Je vais mettre ça. Forgeron, je sais pas pourquoi t'es là, par contre, ça. Oui, pour faire des cailloux. Pour couper des plantes. Ok. Assignation, donc toi tu es un toxoïde. Non, c'est pas toxoïde, c'est pestilent. Il fallait que je mette. Je rechange le nom. Pestilent. Donc tu me prendras du thé quand j'en aurai. Ok. Tiens, mes soigneurs. Il y a plein de très bons soigneurs. Donc c'est tout le monde sauf Frédéric et Chobiti. Tout le monde sauf Frédéric et Chobiti, vous allez prendre des médocs sur vous. Le terre est créatif, c'est ça. Bon, bah au moins j'ai recruté du monde. Mais bon, la recherche avance pas des masses. Chobiti, tu vas lâcher ton arme. Je vais les donner à Lewin et à Barkfield. Si vous voulez. Que je renomme des persos, n'hésitez pas à le dire. Hein.
Gléad. Il y a un Gléad. Gléag, ouais. En effet. Et voilà, Canton qui mange un petit peu. Alors la bioférite en vrai. Ah, je peux refaire une provocation du néant. Du néant. Lewin, oh merde. Ah bah oui. Ok. L'erreur de base. Mayday. Je sens que... Bah ouais, j'ai oublié de le... Hop, 6 heures. Bon. Accumulation toxique extrême. Putain. Et ouais. Non. Vous avez pas d'armes, donc vous allez pas... Alors là, il va y avoir lui qui va faire chier. Ça va être un boulot pour Canton. Tac, 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 tac. Très bien. Canton 1, serpent 0. Hop. Quel talent. Bim. Bon bah voilà, problème réglé. Problème réglé, sauf que ouais, ce serait bien si Lewin survivait. Ce serait quand même con de l'avoir d'avoir passé tant de temps que ça à essayer de le recruter. C'est pour qu'au final, il y passe. Ouais, presque rien à manger, c'est naze. Je suis bien d'accord avec toi. Ah, celui-ci est bon. Un autre, s'il te plaît. Un autre arc court. Il a utilisé carrément le... Ouais, un peu con. Le niveau max sur les médocs. Comment me terminer, fabriquer un arc court? Putain, il fait ça à une vitesse. Alors, deux bons arcs courts. Chobiti. Où est l'hôpital? Il n'y en a pas. C'est beaucoup trop tôt pour que je me fasse un hôpital. Hop. Le cygne. Hop. Du coup, toi tu vas prendre la carabine de survie. Et les wins, quand tu seras remis. Je sais pas combien de temps ça dure, l'accumulation toxique. Ouais. Fondamentalement, c'est pas non plus indispensable, hein. Hop. Alors, Barfield a rien à faire. Accumulation d'oxyde. Donc, allez, je vais descendre avec tout ce petit monde. On va aller voir ce qui se... Non, je voulais refaire une... Avant ça, une provocation du néant. Hop. Hop. Allez, qu'est-ce que je vais attirer cette fois-ci? Donc si on regarde les entités, hein, il m'en reste deux à découvrir.
pour les trucs de base avant de passer au niveau supérieur. Merde, infection. Sur les wins, Frédéric. Tu vas te reposer, très bien. Provocation d'une en terminée. On va voir ce qui se passe. Ah, et j'ai un truc à faire. Qu'est-ce qui soigne le mieux? C'est Hurlefort, forcément. Le cygne, ensuite. Avant d'aller bouffer le cygne, que dirais-tu de l'idée formidable que de soigner notre ami Lewin? Je te jure. Alors, que va-t-il se passer? Il s'est passé quoi d'ailleurs? Est-ce que j'ai supprimé le message? D'accord. Préparez-vous. Je suis prêt. Une brume funeste, une brume grise s'est abattue sur la zone. La brume est composée d'arkites microscopiques, autonomes, créés par une superintelligence inconnue. Au contact de la chair morte, les arkites réaniment les corps pour créer une imitation grotesque de la vie. Les morts se relèvent, brûlés ou enterrés. Détruisez ou déplacez les cadavres à l'intérieur pour les empêcher de revenir à la vie. Et le mode zombie. Et il va y avoir les serpents morts, en effet. Canton. Ouais, bah. Canton, tu pourrais quand même manger ces saloperies. Alors, je vais les ramener à l'intérieur. Une zone spécifique ici. Et puis je ferai ensuite en sorte de les. Ou alors sinon. L'autre possibilité, c'est que je les amène en vitesse autour des arbres héros. Ils sont où? Arbre héros, là. Ils sont là. Parce que. Ouais, je sais pas si ça les bouge. Peut-être pas une bonne idée. Non, je vais plutôt récupérer ici. Je vais faire hop, en critique tous les cadavres, même les pourris. Et je vais utiliser Super Hello Tool pour faire hop. Bah, c'est bon, j'ai pas grand-chose à. Il y a très peu de cadavres en fait. Nouvelle recherche disponible. Vos connaissances. Ouais, ça boulotte pas assez vite. Vos connaissances des phénomènes du néant sont maintenant suffisantes pour vous permettre d'harmoniser le monolithe et d'ouvrir son portail psychique davantage. Et ça permettra d'attirer des entités plus dangereuses. Alors, je me fais un plus 2, un pour la brume et un pour ce qui vient d'arriver là. Donc là, si je fais harmoniser, je vais attirer des entités plus dangereuses. Mais je vais attendre un tout petit peu, du coup, de gérer cette brume. Ah bah voilà, elle se réveille déjà. Bim. C'est bien mon caneton. Ah du coup je peux le capturer. Ça c'est cool. Mathilde, dope-toi. Capturer. Je vais me capturer ça. Fissa. Attends, je vais même choisir. Hop, tu viens de le mettre ici, s'il te plaît. Hop, un autre combat qui est ressuscité. Caton à l'attaque. Trop fort ce caton. Zombie cobra, c'est pas faux. J'avoue que Frédéric, capturé ici s'il te plaît. Comme ça en plus l'avantage c'est que je suis sûr qu'il réussira pas. Alors attends, toi tu vas me déplacer ça.
Ah merde. Ah oui, lui du coup, ça l'a ressuscité. Bon, il a 26% de santé, ça devrait le faire. Hop, toi tu vas faire ça. Hop. Alors attends, tac. Tu vas me le transférer. Ici. Prévu de transférer, tac. Et ensuite, voilà, t'as tout compris. Non, t'as pas tout compris. Lui, il est remords. Est-ce qu'on peut re-remourir? Hop là, non, c'est bon. Et ben du coup, je vais aller chercher le zombie qui est ici. Il est où mon petit zombie? Mon petit zombie a pris sa volée. Tu vas le re-retuer, exactement. Après ça, à la volette. Je suis désolé, Chobiti, hein, mais. En même temps, on joue à RimWorld, hein, on joue pas à Bisounoursland. Allez! C'est solide, ces saloperies. Ah, dans le jeu! Non, non, ça va. Ça va, tant que c'est jaune, ça va. Quand c'est rouge, je commence vraiment à m'inquiéter. Putain, ils font durer le plaisir. Hein. T'essaies de pas trop le tuer, Canton, s'il te plaît. Ah d'accord, j'avais pas fait gaffe. Il l'a re-retué. Dommage. Dommage, dommage. Ouais, c'est peut-être qu'elle avait juste. Qu'est-ce qui lui va pas? Ah merde! Un prisonnier mort. Ouais, bon, tant pis. Hop. Signation. Attends, j'en ai des armes médicinales. Non, pas encore. Si, ça va arriver. Normalement, j'ai ça qui est censé gérer. Ouais, mais sinon. Non, en fait. Ça gère. Non, tac. Voilà, donc là, l'avantage, c'est quand même faire plein d'études. Ça va me faire récupérer plein de bioferrite, enfin plus de bioferrite aussi. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est l'occasion de faire la fête, d'ailleurs. Hop. Au milieu des cadavres. Et top! Ah merde, bah du coup Chobiti, elle va aller se fumer quelques pétards. Quête expire dans 12 heures, déserteur, mais j'avais dit que j'en voulais pas. Non, en vrai c'était un peu con ce que j'ai fait. Ça m'amuserait de voir en fait si... Si le... Attends, copier, coller. Et je vais enlever les cadavres d'humanoïdes. De voir si ça peut être re-ressuscité. Hop.
Lewin. Waouh, ça diminue lentement. Ah bah si, ça le re-ressuscite. Bon. Hurlefort. Qu'est-ce qu'ils foutent aussi loin, eux? Caneton, besoin de toi. Pas ce qu'ils sont allés faire aussi loin. Mildiou, merde! Merdouille. Couper toute la contagion. Pourquoi est-ce qu'il est dans cet état, lui? Pas de conquête récente. Ah ouais. Ah, il faudrait vraiment que j'arrive à le convertir. J'avais pas du tout fait gaffe à ça. Alors, Chobitier pété un câble, tout va bien. C'est qui mes meilleurs forestiers? C'est le fort Chobitier, Frédéric. Hop, tu me fais ça, s'il te plaît. Avant que ça ne s'étende au reste. Allez, le retour. Le retour de la vengeance. Ouais. Bon, c'est bien, en même temps, ça l'entraîne, hein. Ouais, je suis au max là. Je suis au max par jour. J'ai trop gagné aujourd'hui. Eh ben enfin. Hop, usinage. Tu l'as re-retué. Ah non, cool. Capturé. Yes. Alors, est-ce que je pourrais le déplacer pour qu'il affecte? Oui. Ici, normalement, ça les affecte tous. Et ben voilà qui est très bien. Un petit zombie en plus. Ah, Lewin n'est plus incapable de marcher. Super. Hop. Eh ben, toc, j'ai pas compté mes quadras et mon zombie, ça me fait 3 points en plus. Oui, j'en suis à 28. Les grands esprits se rencontrent, le signe. Goule affamé. Ah! Canton, c'est l'heure du goûter. Est-ce que tu veux manger de la tortue? Non, parce que ça, Chobitif sera vraiment pas contente du tout. Je pourrais même lui faire manger du chinchilla, quoi. Qu'est-ce que je peux aller chercher? Ils sont loin, ceux-là? Non, pas trop. Allez. Bon appétit. Libérer les unités de confinement. Bah non, puisque ça me rapporte. En soi, je peux les étudier aussi, non? Ça me rapporte de la bioférite. Alors c'est certainement moins intéressant. Hein. Je sais pas trop entité. Hop, gain de connaissance 1,3, 1,32. 1,3, 1,3. Donc les zombies rapportent pas grand-chose.
Mais de toute façon, en fait, j'ai rien de beaucoup mieux. C'est la goule qui est la plus intéressante. Hop, quand tu as tué, tu as le droit de manger maintenant. Et même, tu vas manger complètement avant que ça ressuscite. Ça y est, Chobiti a cessé de se shooter complètement. Non, c'est bon. Je le mange jusqu'à plus faim. S'il te plaît. Voilà. Et tu reviens vers la maison. Hop, et on est reparti pour une série de cotons. Tu peux. Pour les 15 dernières minutes. C'est déjà les 15 dernières minutes? Ouh là. Oh, de toute façon, avec Cube et. Comment? Avec Cube Nappé et. Et comment s'appelle-t-il? Ah, je sais plus. Bref, je savais de base. Non, c'est pas Jérémy. Je savais de base que j'avais pas mes chances. Je peux rusher ça. Éventuellement, un colon inactif. Bah, en même temps, tu peux pas plus la rusher que ça, puisque dans la mesure où tu as un cooldown pour chacun d'entre eux, Jimmy Nova, merci. Dans la mesure où il y a un cooldown, de toute façon, si je peux éventuellement l'harmoniser. Allez, je peux l'harmoniser. Qui est-ce qui va l'harmoniser? Le signe. Qu'est-ce que tu fais? Ouais. Allez. Va harmoniser ça pour. Ah, ça fait. J'avais même pas fait gaffe à l'heure. Hop, on va voir ce qui se passe. Duke. Brume grise de nouveau. Après son harmonisation, le monolithe a encore grandi. Merde, ça va me défoncer mes murs. Et changé. Le signe a alors aperçu ce qui était tapis au-delà et a tout compris. Le signe a tout compris. Il est fort ce signe. Le monolithe est une porte que vos actions ont ouvert plus grand. De l'autre côté, le signe a senti une intelligence inhumaine d'une vaste complexité, d'une rage infinie. Le terrible dieu machine est en train de s'éveiller et son influence physique continuera à grandir. Voilà, donc là, je vais avoir d'autres recherches accessibles et puis surtout, je vais pouvoir maintenant choper des entités avancées. Alors non, ah, ça grossit comme ça, ok. Donc là, du coup, mon générateur se retrouve bah, pas au bon endroit. Et j'ai une brune grise, donc plus de points. Hop là. J'en suis où ma recherche? Là, le mur est pété. Bah ouais. Du coup, il fait chaud là ou pas? Intérieur, 17 degrés, ça va. Bah, c'est-à-dire, je pense qu'il y a encore au moins encore une autre évolution. Ah oui, et du coup, ceci dit, je peux faire deux recherches en même temps maintenant. Je peux faire les rituels avancés. Donc là, on a les deux petits points qui indiquent que c'est des recherches avancées et un point qui indique que c'est une recherche de base. Parce que le monolithe, maintenant, va me donner des points de recherche avancés. Site forestier. Voilà, site recherche avancée plus 1,20. Hop, encore un arbrisseau héros. Paf. Il est où? Il est au même endroit que les autres. Tac. Je peux pas faire de provocation du néant. Bon, Lewin, t'en es où? T'as dépend. 72% encore. Putain, ça descend une lenteur.
Alors, des voyageurs qui voudraient des ressources, bah ils les auront pas. Je vais pas leur donner 14 médicaments. Si tu faisais. Non, je. À mon avis, ça doit être des cooldowns partagés. Je peux vérifier, hein, mais. Ouais, c'est le même. 2,7 jours. Ouais, c'est tellement lent. J'ai plus de bois de nouveau. Ça ressemble à un truc comme quoi j'ai plus de bois. Hop. Hop. Conversion. Hop, prisonnier recruté. Hop, une autre chaise. Passage de bioferrite. Yes. Alors, donc une recherche de plus. Je peux faire augmenter la sensibilité, suppresseur de sommeil, détecteur de proximité, transformation en ghoul. Ah ouais, pour faire plus de ghoul. Ciel assombri. Ouf, construire des zones bien éclairées pour survivre et fabriquer des packs de fusées disruptives pour explorer l'obscurité. Et j'ai une fosse qui est apparue également. D'accord, donc j'ai une deuxième fosse. Donc ça me fait plus de points. C'est vrai que on n'est toujours pas allé voir en dessous. Alors les packs de fusées disruptives, ça se fabrique comment? Est-ce que tu sais ça, Caneton? Toi qui sais tout. Ou presque tout en tout cas. Ah, c'est une recherche. Tu veux dire une recherche lente, c'est laquelle? C'est quoi? C'est les lumières avancées? Non. Ah, c'est une recherche anomalie. Putain, il est hyper au courant. J'ai pas suivi la question. Ah. En bas à gauche. Détecteur de proximité. Suppresseur de sommeil. Sculpture du néant. Attraction d'animaux. Je l'avais sélectionné, mais je vois pas de truc qui fasse de. Non, il faut des. Pack de fusées destructives. Ah là! D'accord. Nier. Ok. Bon, bah, je ne l'ai pas recherché, donc ça va être dommage. Je devrais faire sans. Tiens, ça ressemble à un cobra mort qui est en squelette. Apparition d'une fosse dans 2 heures. Donc je vais avoir du coup un event lié à ça. Ouais, ben en fait, fosse accessible. Et là, je pouvais pas y accéder. Ah non, je pouvais la combler là. Alors, une abomination de chair. Hop, plus d'event. Ouais, c'est possible que les 4 heures de live se fassent sentir là. Il est qui, ouais. Alors, une abomination de chair. Donc ça, typiquement, bah, va falloir le combattre. Ça va pas se faire tout seul. Et eux, là, je pense qu'ils vont se faire défoncer. Ça va être dommage pour eux.
Non? Ah non, c'est bon. Alors. Mécac en prums. Tac. 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 Bim. Hop là. Allez. Il y a déjà deux qui sont tombés. Ah yes. Les deux sont en chasse? Ah ouais. Alors, il faut que Frédéric, s'il te plaît, tu vas nous débarrasser de ce cobra-là, par exemple. Est-ce que tu sais faire ça? Entité exécutée. Hop. Ne peut pas prendre, n'est pas affecté à la surveillance. Tu m'agaces. Les Winner le fort, vous allez rentrer à la maison. Je vais laisser Chobiti qui va me capturer. Ah, il avait un petit creux. Hop. Donc, le signe à exécuter un cobra. Et toi, tu vas te démobiliser et capturer. Et ça, c'est une petite merde, donc c'est pas très très grave, j'ai pas besoin de m'en préoccuper. Hop. Et plus un point. Et donc ça, l'avantage, c'est que ça apporte beaucoup plus. Le robuste pointe, entité, ça m'apporte 2,5 de connaissances basiques par jour. C'est mieux qu'un cobra. Le signe, tu voudrais pas prendre soin de le robuste pointe. Hop. Bien. Dissipation de la brume funeste. Très bien. Hop. Supprimer. Supprimer. Ah, ténèbres imminentes. Ouais, mais j'ai rien. Ah, il faudrait que je fasse des lampadaires. Ça fait partie des trucs qui sont arrivés avec la 1.5. Lampe sur pied. Non, c'est. Si, c'est ça. Il faudrait que j'en fasse. Donc là, ça va être la merde. Donc j'ai plus un point pour l'event. Donc l'obscurité approche. Seuls ceux qui sont directement éclairés par des lampes, des torches ou des fusées éclairantes sont en sécurité. Pour tous les colons, on reste dans la lumière. Vous pouvez restreindre leur mouvement depuis l'onglet planning. Alors sinon, des zones autorisées. Donc effectivement, et puis il va falloir que je fasse. Un maximum de lampes, du coup. Tac. En sécurité, oui, c'est en sécurité relative. Hop. Hop. Non, c'était là que je voulais. Pas là. Tu m'as supprimé la zone, du coup. Non, c'est bon. Tac. Obscurité surnaturelle. Eh ben, ça va être la merde. La région est plongée dans une obscurité surnaturelle où rôdent des choses inhumaines. Des piliers de métal huileux aux formes irrégulières tombent du ciel. Leur apparence est terrifiante, mais ils contiennent sûrement des technologies utiles. Aménagez des voies bien éclairées pour les atteindre, puis détruisez-les afin de mettre un terme à ce cauchemar. Autrement dit, si vous survivez assez longtemps, l'obscurité va se finir. Autrement, si vous survivez assez longtemps. L'obscurité finira par se dissiper d'elle-même. Ouais. Nouvelle entité découverte, le Noctolite. Combien est-ce que tu m'en as mis?
1, 2, 3. Ah non, ça c'est l'arbre anima. Caneton, tu devrais peut-être revenir un peu. Même si t'es costaud, ce serait quand même mieux ici. Agression de Caneton, bah oui, forcément, il va se faire agresser. Quelque chose. Ouch. Ah ouais, d'accord. Il faut vraiment que je les restreigne. Tiens, Chobiti était restreinte en maison encore. Merde. Bon, ceci dit, tous à l'intérieur. Ouais, j'ai mal joué là. Effectivement, il est temps que ça s'arrête. Il est 18h. Il est temps que ça s'arrête. Architecte zone. Retirer de la zone de base. Ouais, non. Attends, il faut bien que je me défende d'une façon ou d'une autre. Il est où, Daz? Ah, mais qu'est-ce qu'il fout là? Merde. Chobiti, la maison, c'est machiste. C'est vrai. Alors, je sens que Dave, il va falloir aller le sauver un petit peu. Mais il faudrait surtout que je construise en fait mes lampadaires. Hein. Comme disaient les inconnus, mes lampadaires, c'était moi. Donc, là je transporte de l'acier, hop, lampadaire. Oui, il fait jour. Alors, on va accompagner Dez, tu vas aller te soigner. Canton, tu vas accompagner Barkfield. Trente-sept points, 18h. GG, bah écoute, j'ai fait ce que je pouvais. Mais effectivement, je pense que je vais m'arrêter là. De toute façon, je commence à avoir un bon gros coup de barre. Un petit combi caché. Tac. 37 points, ouais. Bon. Bon. Je vais. Déjà, je vais voir un peu comment ça se passe. Ouais, bonne nuit. Ouais, ça ira. Je vais voir un peu comment ça se passe avec les autres streamers. Et puis, bah, en tout cas, je vous remercie beaucoup, tous ceux qui ont suivi ce live. C'était bien chouette. J'espère que ça vous a plu aussi. Et puis bah, je vous tiendrai au courant sur Discord de ce qu'il dit, mais là moi je vais clairement faire une pause. Demain, je promets rien, je promets rien. On verra, mais j'ai aussi d'autres trucs à faire, j'ai accessoirement un peu de boulot. Donc je promets rien en ce moment. Putain, il est dur, c'est éternel. Sors le fouet. Merci à vous donc. Ceux qui ont regardé la VOD, bah merci d'avoir regardé. J'espère aussi que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et laisser des petits pouces, on aime ça aussi. Vous pouvez dire au revoir dans le chat et je vais dire au revoir à tout le monde. Je vais voir si je peux pas faire un petit raid avant ça. Tac.